Hop là, allez, c'est parti. Donc là, dernière machine à sous avant la torchade, parce qu'il reste 516 euros dans la balance. Donc, très très forte probabilité pour que ça se termine à zéro. Alors, bah, pour terminer donc cette pauvre balance qui s'est fait défoncer sur les précédents jeux, enfin, je vais tester le Bingo Billions. Alors, les mises, les mises, les mises. 12,50, 25. Alors, on va tester des mises à 25 balles, mais bon. On va pas faire long feu avec 516 de balance. Peut-être baisser un peu le son parce que c'est vrai que lui quand il gueule il nous lave le cerveau. Alors 50 balles de win. Je vais quand même baisser encore un peu les mises. Allez, mise à 12,50. Alors, 359 de restant. Voilà, de faire une remontée serait un miracle. Pourtant, avec la machine à sous Red Temple 2, j'étais bien monté au niveau de la balance, mais bon, il a suffi de quelques jeux qui par la suite payent que dalle, puis voilà le résultat. Alors, bonus, bonus ou leurre? Petit leurre. Oh, 5 of a kind, 5 of a kind, 379. Je sais pas si la balance ça va être sauvée par ce jeu de Bingo Billion, mais ça semble quand même peu probable. Rouleau 3, rouleau 4. Et rouleau 5. Et voilà, vous y avez cru? Eh ben non. Faire une tentative, hop, mise à 25. Rouleau 3, rouleau 4 et rouleau 5. Et voilà. Lot de consolation, 50 balles. Alors bingo bingo. Dommage pour ces deux jokers. Ils n'étaient pas sur la ligne de paiement. Oh, le bowler du jour. Eh bien non.
Alors, 308 de restant, bon, faire une remontée, je l'ai dit en début de vidéo, ce sera un miracle. Hop, retour à 12,50 les mises. Alors un petit bonus peut-être avant d'arriver à 0, peut-être qu'un bonus à 12,50, ouais, ça pourrait éventuellement peut-être rapporter quelque chose. Mais bon, je me fais pas d'illusions, là c'est direction le triple 0. Alors, 118,50, petit win à 9 euros. Alors, il reste pas grand-chose, 54, 54, 54, on va pas aller loin. Hein. Ok, 15 balles de restant, alors... Voilà, sauvé par le bonus, mais même pas. Attention, vous êtes fait torcher, le casino vous remercie. Veuillez redéposer du pognon afin qu'on vous retorche encore. Nous vous remercions car c'est grâce à vous que nous vivons. Si vous pouvez ramener des potes à vous qui se font torcher également, ben, on vous remercie également. Enfin, c'est le petit message subliminal. Pas assez de pognon pour la mise. Vous êtes fait torcher. Alors, hop. Ah, 2,50. 3, 2, 1, go. Bingo! Et ben là aussi, il vous restait 2,50. Maintenant, il vous reste 1,50. On vous a encore piqué 1 euro. Un 25. Bon, on va essayer ça. Oula, 60 centimes de gagné. Allez, 75. Les free spins, non, même pas, rien du tout. 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Est-ce qu'on peut jouer ça? Eh ben non, c'est 25 centimes la mise minimale. Bon, bah, du coup, je crois que je vais en faire cadeau au casino. Enfin, il restera peut-être 10 centimes si je refais un dépôt sur ce casino. Sinon, je leur en ferai cadeau, c'est avec plaisir. Bon ben comme quoi, c'est pas évident de gagner en machine à sous. Certes, sur les précédents jeux, il y a eu des jolis wins, des jolies paires, donc c'est comme d'hab, c'est pile ou face, mais il faut pas se mettre en tête qu'on peut forcément gagner avec ce genre de jeu. Au final, on se fait souvent torcher. Bon ben, multiple torchades sur ce casino, il serait peut-être temps d'en changer, ou peut-être de refaire un dépôt sur celui-là, enfin on verra. On verra bien, de toute façon, ça reste toujours pareil, c'est le hasard, c'est pile ou face. Aucune stratégie ne permet de gagner à ce genre de jeu, c'est total hasard. Ici, Total Torchade. Bon bah sur ce, la bise à tous, et rendez-vous très prochainement, en espérant que Madame Chance sera un peu plus présente, car là elle était au placard, confinée, en quarantaine totale. Allez, la bise à tous, à très bientôt.